Après 4 ans de duo sur la glace, Pernell Caron et Mathieu Jost se sont séparés durant l'intersaison. Chacun de son côté, chacun avec un nouveau partenaire. Mathieu Jost patine désormais avec une Russe, Olga Orlova, qui possède déjà une bonne expérience. Quant à Pernell Caron, elle s'entraîne depuis 4 mois avec Lloyd Jones, un Anglais de 21 ans. J'estime avoir beaucoup de chance parce que j'ai patiné 4 ans avec Mathieu et en une semaine, j'ai l'impression d'avoir eu autant de connexion avec Lloyd qu'en 4 ans avec Mathieu. Et je sais pas, j'ai l'impression d'avoir trouvé mon partenaire, vraiment. Demain, jeudi, c'est la rentrée des classes pour les patineurs français lors du Masters d'Orléans. C'est la première compétition officielle de la saison. Nos deux nouveaux couples lyonnais seront au rendez-vous et malgré une préparation plutôt courte, les premières impressions sont rassurantes. Bon, c'est très très prometteur, les deux sont vraiment très excellents et je dirais qu'il va falloir faire un petit peu, qu'ils attendent un tout petit peu, mais je pense qu'ils vont retrouver facilement un très très bon niveau. Une première compétition donc pour ces deux nouveaux couples appelés à succéder dans les années à venir aux champions du monde de l'Oben Schoenfelder. C'est en quelque sorte le futur de la danse sur glace française. Bah nous on s'arrête après les Jeux Olympiques et puis bah derrière voilà, on est sûr qu'au moins l'avenir est assuré et puis le club voilà, a aussi des éléments forts et ça permet d'entretenir aussi la renommée d'un centre de formation. Au-delà de ces Masters d'Orléans de demain, l'objectif des deux nouveaux couples, être sélectionnés pour les championnats d'Europe de janvier 2010 en Estonie.